J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Animal Crossing New Horizons. Et aujourd'hui, comme je vous l'avais promis, on va aller revisiter ma toute première île, donc Kibi Island, avant d'avoir été rasée et d'être devenue par la suite l'île Kawaii Mermaid. Eh bien, il s'est passé pas mal de petites choses. C'était, pour tout vous dire, plutôt éclaté, mais c'était le début du jeu et j'étais vraiment, vraiment une quiche en décoration. En tout cas, je m'amusais bien et je pense que ça va être très 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 drôle de revoir cette île sous ses premières versions. J'ai trouvé 3 vidéos, on va voir un petit peu, je les ai regardées très rapidement, elles sont pas très longues, on va peut-être pas toutes les regarder entièrement. En tout cas, on va essayer de récupérer les petits moments drôles de ces visites d'île, et surtout du coup on a les premières intros. On a les premières intros et c'était tout au début, je commençais sur YouTube, et donc du coup le son ça va pas, ma voix c'est un peu moyen, enfin bref, vous savez quoi, c'est parti pour la première vidéo. N'hésitez pas, je vous le rappelle, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, à vous abonner et surtout à poser un petit like et à réagir dans les commentaires. Quelle version de cette île vous avez préférée? Allez, c'est parti. Allez, je lance la première vidéo. Salut Kibichi, bienvenue sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, d'activer la petite cloche et de me mettre un maximum de pouces bleus. Ah là là, Kibichi Gaming, c'est vrai, je m'appelais comme ça au début. Hey, coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Animal Crossing New Horizons. Et aujourd'hui, je vous fais visiter mon île 5 étoiles, mais oui. Mon île 5 étoiles. L'intro, il n'y a rien qui va, mais c'est pas grave, c'était mimi, je m'amusais bien. Et le but aussi, je tiens à le préciser, c'est que c'est un jeu, pas que pour les enfants, mais c'est un jeu quand même, voilà, où il faut s'amuser. Et c'est drôle de revoir ça, évidemment, si c'était à refaire, je ferais différemment. Mais voilà, ça a été fait, ça a été fait, on va pas revenir sur ce qui a été fait, on va couper le son, tout simplement, comme ça au moins, on regarde un petit peu, je mettrai peut-être de la musique. Voilà, alors, on est avec Marie, et du coup, je pense qu'à mon avis, là, je récupérais les 5 étoiles, ouais. Waouh! Je faisais un peu de montage au début. Ça, c'est drôle parce que j'en fais très peu maintenant. Ça demande énormément de temps. Je faisais des petits zooms, des petits montages et tout. Attention! La petite tenue, la petite robe comme ça, ça, c'était l'entrée de l'île. Des petits coins comme ça pour chill, se poser. Je crois que j'avais tout bétonné. Cette île, je l'appelais l'île carrée. On peut le voir par rapport à la carte de l'île. Tout est hyper carré. Bon, c'était un peu genre urbain, entre guillemets. La petite plage de départ, je sais pas si vraiment cette vidéo là, si ouais, je pense que c'était quand même je pense que c'était vraiment la première version de l'île, ouais, c'était la toute première version. Je sais plus exactement quelle était la date où a été poster cette vidéo, mais en tout cas voilà, j'avais très peu de choses. Il me semble que je le dis d'ailleurs que j'avais pas grand chose. Time travelais pas du tout, donc je passais pas les jours. J'avais très peu de meubles et j'avais quand même pas mal de choses. Si, quand même, il faut le dire, j'avais quand même pas mal de choses. C'était les abonnés qui me donnaient tout. Et je me souviens, c'est pas la toute première version. Vous savez quoi, il y a une autre version. Mais je dois pas avoir de vidéo, de visite sur cette première version-là. Ma maison était sur la plage. Et là, la maison a déjà été déplacée. Là, on a un petit coin, voilà, les sœurs doigts de fée. J'avais envie de faire un coin où, il y avait les boutiques, un petit marché. Bon, le petit marché, il est hyper light. Un peu éclaté, mais bon, voilà, c'était mimi, quoi, c'était mimi, je connaissais pas tout du jeu. Et comme quoi, pour débloquer les 5 étoiles, fallait pas avoir une île incroyable, il fallait juste tout simplement poser plein de choses comme objet sur l'île. Et d'ailleurs, si vous avez envie
d'avoir les 5 étoiles, en vrai, c'est pas compliqué du tout. Bref, on visite le petit coin là. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Attendez, je vais essayer de passer. Ok, ici, on a la boutique Nook. Je rigole. Oh, ma petite Lily! Ils étaient beaucoup trop cute, mes habitants, sur cette île. Ouais, j'avais fait autour de la place. Voilà, petit... Une petite machine à boisson, genre rose évidemment, hein, c'était tout rose, hein. Enfin c'était pas tout rose, mais c'était quand même très rose, mais elle était un peu asiatique je crois, non? Ah oui, c'est l'endroit où j'avais posé genre mon robot géant, j'étais trop fan, trop contente d'avoir cet item, genre c'était tellement difficile d'avoir ça, franchement c'était très dur, hein. Avant c'était vraiment très dur d'avoir ce genre d'item quoi, et j'avais imaginé genre que c'était le phare de mon île, genre le robot géant il gardait mon île quoi, ok. Bon, ensuite, ah ouais, ça c'est derrière. Bon, c'est totalement pas du tout fini. Ah là là, le drapeau, c'était le logo, l'ancien, le tout premier logo de ma chaîne, avec la tête de Pandarou. Ok, là on a une espèce de petite place devant le musée. Bon, rien de fou. Là il y a le petit... Oh, petit Raymond, regardez. Oh bah regardez, je lui fais des fleurs en plus. Je lui fais des fleurs. Ah là là, si je me souviens. Donc là, j'avais fait un petit coin, genre, où tu... je faisais les hybrides, je faisais les fleurs hybrides. Oh, tout en haut. D'où l'île carrée. Tout était carré sur cette île rectangulaire. Enfin, il y avait rien de naturel. Ah là là, croco. Et tous les habitants, ils étaient au fond de l'île, la plage de Runar. Genre, j'avais fait genre juste un passage entre les deux avec des... Il y avait des grosses cascades partout. C'était pas très beau, hein. C'était vraiment pas joli du tout. Mais bon, voilà, je m'intéressais absolument pas du tout à la déco, hein. À cette époque-là, vraiment, ce qui me plaisait sur Animal Crossing, c'était pêcher. Pêcher, récupérer des... C'était Rush, la bébétopédie, genre les insectes et, ouais, et les poissons. Genre vraiment, c'était un truc de ouf. Je faisais que ça. J'adorais ça. Les chasses à l'habitant pour avoir les habitants que je voulais. Et après, hormis ça, la déco, vraiment, je m'en foutais totalement. La plage de Runar, bon, il y a juste un télescope. Ouais, c'est un télescope. Ouais, c'est ça, c'est un télescope. Et donc, ouais. Ah oui, j'avais imaginé, vous savez quoi, je voulais mettre des fleurs. Ah oui, Amiral, oh là là, les anciennes notifs. Je l'ai laissé pendant les vidéos, oh là là, qui venait juste de s'abonner à la chaîne. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Ah là là, je me souviens de ce coin, oh purée. J'avais fait ça derrière la place avec le Godzilla, regarde n'importe quoi. Avec des fleurs dorées, genre, c'était son trône ou j'en sais rien. Ah oh là, c'était une tour quoi, avec... Avec les cascades carrées, évidemment, hein, elles n'étaient pas du tout naturelles, mais bon, c'était drôle. Est-ce que je vais monter au-dessus? J'avais imaginé de faire le camping. Je pense qu'il doit déjà être placé. Ouais, il y a le camping, voilà. Je voulais faire un coin, genre un peu forêt, genre avec un lac où tu peux pêcher. Tu pouvais absolument pas du tout circuler autour. C'était vraiment étriqué, regardez-moi ça, ça ressemble pas du tout à un endroit naturel. Mais bon, voilà. On a dit que c'était ma première île, hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va redescendre juste ici. Ok, on a le passage où genre j'avais fait un coin à clochette. Donc genre là, c'est un café à clochette. C'était sur le thème des clochettes avec les arbres à clochettes. Et puis bon, t'avais des sacs de clochettes posés sur les tables. Tu peux pas boire en fait. Tu peux pas boire un café réellement dans ce petit coin-là. Ici, c'est juste observe. Enfin, je sais pas, t'admires les clochettes, les sacs de clochettes. Je sais pas, ça n'a aucun sens. Ça n'a absolument aucun sens. Et donc là... Ah oui, j'ai ma maison de l'autre côté. Ok, qu'est-ce que je sais pas ce que je suis en train de vous montrer, que j'ai mis des fleurs de toutes les couleurs peut-être, parce que ça c'était vraiment un truc qui me faisait triper grave, je trouvais ça trop beau. Ok, ok, c'est génial. Ah là là, alors attendez, je vais essayer de passer un peu parce que bon, c'est peut-être pas très intéressant tout ça, ok. On va peut-être accéder à l'autre côté, ah voilà, on va accéder au coin de ma maison, donc là voilà, la déco elle est pas du tout finie. Et là on arrive au passage de chez moi. Est-ce que je montre les plages? Mais je crois que les plages ici, il n'y avait rien. Là, je vais peut-être vous montrer l'incroyable vue. Waouh! L'incroyable vue sur la cascade carrée. Les motifs, ok. Les motifs étaient pas mal, hein. C'était chouette, ça. Et donc, ouais, waouh, superbe. Je vous montre une vue qui est... bon, ok.
sur une cascade, encore une fois, très carrée. Et alors ce passage-là, je l'aimais bien parce qu'évidemment, c'était le passage qui menait à ma maison rose, avec la boîte aux lettres rose, avec des roses roses. Et le chat fétiche, parce que voilà, et donc évidemment, c'est un, voilà, pour passer, il fallait sauter sur les petits, le petit passage-là, il y a un ballon qui est juste ici, la maison. Je crois que je décorais jamais l'intérieur de ma maison, où en vrai, c'était vraiment, c'était assez basique, quoi. Derrière chez moi, évidemment, un parterre de fleurs de toutes les couleurs, c'est où je faisais mes intros. Et mon verger, il y avait toujours un verger sur toutes les îles, tout au départ d'Animal Crossing. Ça, vraiment, ok, donc c'était clôturé, les plages sont pas décorées, et on arrive de l'autre côté. J'ai posé un banc, là, ok. Ok, bon, pourquoi pas, en vrai, ça, il y a rien de particulier, c'était plutôt mignon. Et donc, on arrive à la deuxième partie de mes habitants, juste ici. Et j'avais commencé déjà à mettre des fleurs, un peu de toutes les couleurs. Une couleur pour chaque habitant. Ok, et je pense qu'à mon avis, la visite, elle est finie, là. Ouais, la visite, elle est finie. On va regarder, je passe un peu la vidéo. Ouais, j'ai mis un autre banc sur un deuxième rocher, pas loin de ma maison. Et c'est la fin de cette première vidéo. On va passer tout de suite, eh bien, à la deuxième. Et on se réécoute l'intro. Konnichiwa les Kimishi, bienvenue sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, d'activer la petite cloche et de me mettre un maximum de pouces bleus. Ah là là, quand il y a ça là, l'ancien logo, c'était beaucoup trop fort le son par rapport à quand je parle au début et que je dis « Konnichiwa les Kibishi, bienvenue sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, d'activer la petite cloche et de mettre un maximum de pouces bleus hey, !» Coucou à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Animal Crossing New Horizon et aujourd'hui, eh bien on va aller vérifier si j'ai les 5 étoiles et ensuite eh bien je vous ferai visiter mon île car ça fait très longtemps que je ne vous ai pas fait visiter mon île donc j'ai fait beaucoup de vidéos sur de la déco, sur des idées de déco donc pour mes habitants, pour mon petit coin spa, pique-nique et tout ça mais c'est vrai qu'on n'a pas visité. Donc effectivement on est déjà sur une deuxième version de Kibi Island, on va passer, je récupère l'arrosoir doré certainement et tout ça, on fait le petit blabla auprès de Marie, on va couper le son parce que voilà, le son était vraiment éclaté et je pense que j'avais entièrement rasé l'île pour refaire des coins, j'avais déplacé ma maison et tout ça, on arrive sur la place et déjà on peut voir que j'ai d'autres motifs juste ici et là on était parti vraiment sur une île toujours carrée. L'île est toujours carrée, le tour de la place n'a pas changé. Ah si, la machine à boisson, elle est plus rose, elle est blanche maintenant. Ah, c'est le 27 mai. Le 27 mai, certainement 2020. Ouais, ça doit être ça. Ah, c'est sûr même. Ah, j'ai changé, j'ai mis un petit pont. Regardez-moi ça, il est trop beau ce pont. Ah, j'avais peut-être déjà ça comme pont avant. Non, je crois pas qu'il y avait un pont ici. Ah oui, j'avais fait un petit coin pour faire mes hybrides. Oh, je vous montre la carte de l'île carrément. Attendez, on fait pause pour regarder un petit peu. Bon, l'île carrée, j'ai totalement déplacé tous mes habitants. Ils sont plus du tout au même endroit. Avant, ils étaient, on se le rappelle, tout au fond de l'île. On peut voir qu'il y a Runar sur l'île, les habitants, il y a Nasser, il y a Monica, il y a Capri, il n'y avait pas encore Nadine, donc il y a Christine, Savannah, purée, qu'est-ce que je la kiffais, elle, Laura, Didi, Neferti, Raymond et... Mince, comment il s'appelle lui déjà? Ah là là, le lion. Oh, je sais plus, c'est le crush de Aurore. Bref, allez, on continue pour voir un petit peu. Ok, je vous blablate, blablabli, blablabla et tout ça. Je vais vous montrer, évidemment. Ah mince, j'ai sauté, j'ai été trop vite. Ah non. Ok, ah oui, ça c'était un petit coin. Oh, c'était Mimi. C'était un petit coin pique-nique un peu asiatique. En fait, il y avait un peu tous les thèmes hein, sur l'île. Il y avait un petit peu tous les thèmes. C'était hyper... c'était tout et un peu tout et n'importe quoi. Mais c'était pas trop mal, en vrai... Je vais être sympa avec moi. Il y a quand même, on peut observer une évolution sur le placement des motifs. Ah oui, on arrive dans mon spa. En vrai, c'était très carré, pas du tout naturel, mais l'idée était là. Et ça, c'était quelque chose que j'avais fait vraiment de moi-même. Je m'étais pas trop inspirée. J'avais fait un thème. Je voulais que ce soit très vert et très rouge. D'où, ben voilà, le thème très, très vert et très rouge, quoi.
Et en vrai, c'était pas mal. Et je m'étais imaginé que les cascades tombaient dans les bains. Ouais, c'était ça, je me souviens. En vrai, ce coin, il est mimi, hein. Franchement, il est mimi. J'ai fait ma carrière de rocher. J'étais en train de faire ma carrière de rocher juste là. Donc, faire spawn tous les rochers au même endroit. Et derrière, on peut voir, juste sur le côté, qu'il y a mon petit endroit pour faire les fleurs hybrides. Oh. Ok, voilà, bon, pour faire les fleurs hybrides juste ici, on essaie de passer un petit peu plus rapidement. Non, je suis encore sur ce petit coin-là. Ah, yes, on monte. Au-dessus, j'avais fait quoi? Un coin de pêche, hyper étriqué, avec des fleurs partout. Ah oui, tu peux même... ouais, bah, tu peux regarder à l'horizon ici avec les lunettes. Je sais pas comment ça s'appelle, ces lunettes-là. Qu'on a quand on monte sur des trucs en hauteur. Bref, ok, c'est cool, on va redescendre. Et à mon avis, ah oui, il y avait un petit coin un peu bambou en dessous, genre petit parc un peu peut-être naturel. Ouais, c'était compliqué de descendre, hein. C'était même très compliqué de circuler parce que c'était quand même assez étriqué. Je voulais faire des gros trucs à chaque fois et c'était pas ouf parce qu'en fait, c'était hyper dur de passer à certains endroits. Et ça, c'était un truc qui m'agaçait et que j'ai grave changé assez rapidement. Il y a toujours juste ici sur un îlot mon verger, ok, il y a plein de fleurs qui poussent et donc ici c'était un peu éclaté parce qu'en fait pour y accéder il n'y avait pas de pont ni quoi que ce soit, il y avait juste un petit bout, voilà, tu sautais sur un bout et puis tu arrivais à accéder à ça. Mais je pense que ça c'était un endroit où j'ai grave galéré pour décorer, je crois que je ne savais pas quoi faire à cet endroit-là. Et ici, donc, on est juste en dessous du spa. Ce petit coin-là, en vrai, ça va, hein. Il était mignon. Ah oui, la boîte à malice bambou. Ça, j'adore aussi, c'est trop cute. Bref, je pense qu'à mon avis, les plages n'étaient absolument pas du tout décorées à ce moment-là. Et puis, de toute façon, j'ai jamais trop été très, très forte, on va dire, ou douée plutôt pour décorer les plages. Je crois que c'est un truc qui m'agaçait assez, ouais, vraiment. C'est compliqué en vrai, hein, des fois, de décorer les plages parce qu'il n'y a pas beaucoup de place, tu peux pas placer tout ce que tu veux où tu veux. Et puis bah, bref, est-ce qu'on va peut-être avancer un petit peu plus sur cette fameuse déco? On va traverser et on va arriver de l'autre côté, c'est chez moi. Et il me semble que c'était ici que je faisais tous mes débuts de vidéos, quand j'offrais des cadeaux et tout aux habitants, c'était vraiment ici. Ah oh là là, l'allée d'arbres à clos-clos. J'étais à fond sur les arbres à clochettes, hein. J'étais grave à fond sur les arbres à clochettes. On retrouve toujours des fleurs de toutes les couleurs. Bon, en vrai, je trouve ça très joli. Je trouve ça très très joli. La maison, elle est toujours rose, mais je pense qu'elle a évolué, elle est un petit peu plus jolie. Rounard, avec sa plage, le télescope et le fauteuil lune. Bon, ok, sympa, rien d'incroyable. Ici, on arrive devant, eh bien, le musée. C'est pas fini au-dessus, après, qu'est-ce que... Ah, j'avais mis un truc avec des lunes, avec une lune et tout, non? Il me semble que j'avais fait ça. Je sais pas si c'est à la troisième vidéo, on aura finalement peut-être cette île un petit peu plus finie. Ok, on a le musée qui est juste ici, toujours avec mes roses dorées. J'étais trois fonds sur les roses dorées, hein. C'était tellement compliqué d'avoir des roses dorées, j'étais tellement heureuse d'avoir des roses dorées que... Bon, voilà quoi. Petit banc ici juste pour se poser. Ok. Allez, on passe. Petit passage ici, évidemment, décoration pas finie. Ensuite, ah oui, on va allonger. Ah là 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 là. Je commençais pas mal aussi mes vidéos dans ce coin-là. Ici, on a tous les habitants. Et c'est là où j'ai commencé un petit peu à faire des décos différentes. J'avais envie que chaque habitant soit sur un thème particulier. Et c'était cool. J'aimais bien faire ça. Je trouvais ça super cool. Ouais, ça me plaisait de ouf. Hein. Ça me plaisait de ouf. Et je choisissais un thème très particulier. Je choisissais un thème qui me faisait penser à l'habitant. Ici, on a le camping évolution quand même. Ah là là, ce motif était magnifique. Là, le petit motif de petits carrés, mon très piscine, évidemment on est sur une piscine avec un coin plage et un coin piscine.
Si tu veux te dorer la pilule juste ici à côté du camping, eh bien tu peux. Évidemment, bon, ça c'est une piscine, donc évidemment c'est normal que ce soit carré. Après, je pense que ça avait pas mal évolué ce petit coin-là. Et c'était pas trop... Ah, il y avait la cabine à DJ, évidemment. On était en mode teuf ici, on était grave en mode teuf. Tu peux faire la fête en bord de piscine et avec du bubblegum, évidemment. Ici, tu peux boire un coup, voilà, si t'as soif. Et je crois qu'après, ça avait évolué, j'avais fait un bar carrément. Bref, je pense qu'on va redescendre. Ok, on est chez Savannah. Ça, c'est chez Savannah. C'était trop, très cute chez elle. Hein. C'était pas fini, je pense, la déco. Hein. Mais c'était très cute. Elvis, ça y est. Ah là là, c'est Elvis. Ah là là, je me souviens tellement bien. En vrai, vous savez quoi? C'était pas trop mal chez Elvis. Hein. C'était pas... En vrai, chez les habitants, je crois que c'était les meilleures décos que j'ai faites. Et d'ailleurs, c'est des vidéos qui sont encore visionnées à l'heure d'aujourd'hui. C'est encore des vidéos qui sont visionnées et je reçois encore des notifs sur ces vidéos-là, c'est assez dingue. Ça, c'était chez Nasser, c'était pas mal, hein. Franchement, en vrai, ça va, c'était pas mal. Et on a chez Monica juste devant, c'était pas mal aussi chez Monica. Et après, ça a pas mal évolué, je crois que j'avais changé chez Monica. J'avais changé le tour, j'en sais rien, je sais pas du tout. Ah bah regardez, elle est en train de faire son petit sport, je me pose, elle a des petites noix de coco et tout. Ah oui, puis je mettais une musique différente pour chaque habitant, ça c'était des petites idées qui étaient sympas quand même. Hein. C'est quand j'ai commencé, je pense vraiment, à kiffer la déco. Ça c'était chez Capri, et franchement chez Capri c'était très 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 mignon. Un peu lunaire, assez féerique, et c'était joli avec sa maison, le petit mouton à bascule et tout là. Non, c'était ça franchement, le bélier à bascule, pardon, c'est pas un mouton, c'est un bélier à bascule. En vrai, ça c'était assez cute, et on a juste à côté chez Laura, et chez Laura, j'ai toujours gardé une déco comme ça, sur toutes mes îles d'après, une déco assez féerique, et ça lui va plutôt bien, ça lui va très très bien, lunaire et féerique, et je pense que c'est vraiment un thème que je préfère sur Animal Crossing, que j'aime en tout cas, je trouve ça beau, je trouve que les items de Céleste, franchement je les trouve trop beaux, vraiment je les trouve vraiment trop beaux, c'est une grosse réussite, et peut-être que ça restera encore pour encore à aujourd'hui, peut-être une de mes collections préférées. Après aujourd'hui évidemment on a tellement plus d'items qu'avant, c'est quand même juste fou. Et là on va arriver je crois chez, il y a Raymond Néferti encore qu'on n'a pas vu, et il y a évidemment, oh, il y a Christine, vous savez quoi, la vidéo de la déco de chez Christine, je crois que c'est une des vidéos la plus vue sur ma chaîne YouTube, genre vraiment c'est une des vidéos la plus vue, c'est assez fou, je sais pas pourquoi, je sais vraiment pas pourquoi. J'en ai aucune idée, j'aime bien, j'aime encore bien aujourd'hui, je trouve ça très mignon. Mais ouais, c'est vraiment une des vidéos les plus visionnées, c'est assez dingue. Et juste à côté, il me semble qu'on a, on va y aller tout de suite parce que là, je suis certainement en train de vous blablater, je sais pas quoi. On arrive devant chez Néferti, bon, on passe, c'était chaque devanture de maisons d'habitants différents, avec que des styles différents, c'est pour ça que c'était vraiment tout et n'importe quoi. Mais en vrai... Je crois que vraiment, c'est ce qui me faisait kiffer, c'est ce que j'appréciais sur Animal Crossing. Donc bon, voilà. On a ensuite Raymond, et regardez-moi ça, Néferti, elle était toujours quand même aux alentours de chez Raymond. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils se sont mis par la suite en couple sur toutes mes îles. Après, ils ont toujours été en couple. Chez Raymond, c'est style working quoi, voilà, c'est un businessman, il a son petit PC portable, son petit café et tout, et là on arrive chez Didi, et c'est pareil, chez Didi c'est assez ouf, c'est toujours resté un peu le même style, coquillage, mermaid et tout, et sur l'île Kauai, à la fin, c'était encore ça. Alors qu'en fait, quand on regarde le DLC, eh bien Didi, c'est pas du tout ça. Didi, c'est une sorcière dans le DLC. C'est ouf ou pas? Bref, ici, c'est pas fini. Oh, regardez! La Christine! Oh, oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle. Elle est en train de réfléchir. Elle veut partir. Kibi, tu peux pas mieux te demander, j'ai besoin d'un conseil. J'étais en train de me dire que j'ai envie d'aller faire un tour ailleurs. Oh, je devais être dévastée. M'abandonne pas. Évidemment que j'ai dû lui répondre ça. Tu veux vraiment que je reste, Kibi? Oh là là, oh là là. Cette période était quand même incroyable, hein, sur Animal Crossing. C'était le grand moment d'Animal Crossing. Ah là là, qu'est-ce qu'on a pu quand même s'amuser. Ça laisse quand même de très très bons souvenirs. Et même si mes vidéos à ce moment-là, elles n'étaient pas incroyables, bon...
on s'amusait tellement bien. On s'amusait tellement bien, et ben voilà, c'était quand même l'essentiel. Après, bah évidemment, je vous montre que tout ça, il n'y a rien. Ici, il n'y a rien du tout. On va essayer de passer. Ah, j'avais fait une petite place comme ça. Oui, ça, c'était pas mal en vrai aussi. C'était mignon. Et c'était très joli parce qu'après, il y avait les buissons qui fleurissaient en bleu et c'était beau, ça me plaisait grave ici, j'aimais bien ce coin. Et derrière on a la boutique Nook, on va essayer d'accélérer et d'y aller direct à la boutique Nook. C'était joli aussi, j'aimais bien le robot géant, il est encore là. Regardez-moi ça, le robot rouge, j'étais tellement fière, j'étais trop fière de ce robot. Allez, on passe encore. Et allez, on arrive dans le petit coin. Ah, je suis en train de parler à Laura. Le petit coin ici, il était pas mal. C'était un petit coin genre, vous savez, dans les centres commerciaux, dans les malls, on a souvent un regroupement de tables et tout. Et je crois que c'est ce que j'avais voulu refaire. Genre, tu fais les boutiques et tu te poses, tu bois un petit café, tu manges un truc. Et il y a plein de stands, en fait, un peu autour. Je crois que c'était vraiment le petit coin. Ouais, c'est ce que je voulais faire, hein. Et je crois qu'à mon avis, la visite, elle se finit. C'est pas mal. Ah oui, on avait un coin plutôt pour manger de ce côté-là à droite. Et à gauche, c'était plutôt un coin genre avec des stands, des trucs pour acheter, des livres. Voilà, quoi, que sais-je. Et je crois qu'à mon avis, on a fini la boutique des sœurs doigts de fée, juste ici. J'avais commencé à mettre des stands de chapeaux, de trucs, de machins et tout ça. Je crois que c'était un coin que j'avais du mal, beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à découvrir. Il y a des coins comme ça où j'ai vraiment plus galéré que d'autres. Et ça y est, elle est finie. On va passer à la troisième vidéo et dernière vidéo. C'est parti. Changement d'intro, je changeais. Bonjour les Kibishi, bienvenue sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, d'activer la petite cloche et de mettre un maximum de pouces bleus. Ah là là, j'avais enlevé le logo. Ah non, si. Ah là là, le son est tellement fort. Hey, coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Animal Crossing New Horizon. Et aujourd'hui, eh bien, c'est une visite de mon île 5 étoiles. Je sais pas si vous avez capté, mais au niveau de ma façon de parler, ça a changé. Oui, 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 ça a changé. Je pense que j'étais peut-être un petit peu plus à l'aise. Par la suite, au fur et à mesure, évidemment, des vidéos, il y a l'évolution. Ben, je me sentais plus à l'aise et puis je... Voilà. Ouais, ça s'est senti tout de suite dans la voix. Ça s'est senti tout de suite dans la voix. On arrive, on est toujours devant chez moi. On va passer les coins qu'on a déjà visités. Je remonte. Il y a une évolution sur les habitants. Il n'y a pas les mêmes habitants. Il y a toujours Monica, que vous ne voyez pas parce qu'il y a la cam. Il y a toujours Didi. Il y a... Laura, il y a Mathéo, il y a toujours Savannah, il y a enfin Nadine qui arrive sur l'île, il y a Marvin, évidemment, toujours Raymond et Néferti. Ah là là, cette île qui est toujours carrée, regardez-moi ça, il n'y a que des blocs carrés. Il n'y a que des blocs carrés partout, d'où pourquoi je l'ai appelée l'île carrée. Bref. Alors, voyons voir un petit peu. Ok, on est toujours devant chez moi. Ici, j'ai rajouté peut-être en haut des trucs. Ok, on arrive toujours dans ce passage. On est toujours dans mon coin bambou, etc. Ok. Bon, ce coin-là, il n'a pas trop changé. Est-ce que il y a de l'évolution? J'ai rajouté des motifs de pierre pour faire peut-être un chemin tout autour du verger. Ok, ok, c'est absolument incroyable. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, ça n'a pas changé. C'est toujours pareil. J'ai rajouté des cocotiers sur la plage. Ça, c'est cool. Ok, on arrive toujours dans mon coin, là où je fais mes fleurs hybrides et tout. Je pense qu'ici, ça n'a pas changé. J'ai réussi à finir, on le note, ma carrière de rocher. Waouh, c'est dur à faire une carrière de rocher. C'est surtout hyper... C'est pas dur. C'est long. C'est surtout hyper, hyper long. Ok, la carrière de rocher, magnifique. Certainement que je suis en train de vous blablater. Ici, je pense que ça n'a pas changé. C'est le coin spa de l'île. Est-ce que je vais vous montrer? Ah si, vous savez ce que j'ai rajouté? J'ai rajouté des lampions, je crois, autour, histoire de meubler un petit peu plus. Est-ce que je vais vous montrer? Ah, je suis en train de me faire dorer la pilule encore. Ok, c'est génial. La coupe de cheveux, on note, a changé. Je pense que c'est quand je me suis coupé les cheveux. J'avais les cheveux hyper abîmés et je m'étais coupé les cheveux au carré.
Je pense que c'était ça. Je m'étais coupé les cheveux au carré. On arrive sur la plage, j'ai mis des cocotiers. Ah, j'ai mis des petites serviettes ici. Ok, génial. Le ponton, je sais pas pourquoi je vais vous montrer le ponton parce qu'il n'y a rien sur le ponton. Ensuite, on arrive dans ce petit coin, ok, le petit coin pique-nique, un peu asiatique. On va traverser le pont, on va arriver sur la place. J'imagine, ah là là, j'avais décoré la première plage. Ok, ici on arrive sur la place. Oui, j'ai décoré, j'avais fait une plage. Bon là, ça n'a pas changé, c'est sur le devant. Ok, genre boutique de surf. Avec, il était beau ce motif hein, pour faire genre une espèce de plancher. C'était pas mal ici, ouais, c'était pas mal. C'était pas trop mal. Très basique, hein. très basique. Et surtout, des trucs que tout le monde faisait un peu sur leurs îles, quoi. Hein. Rien d'exceptionnel. Le dodo airline qui se trouve juste là. Le drapeau n'a pas changé. Je crois que c'est toujours la tête... Ouais, j'ai mis un fond bleu. J'ai mis un fond bleu, il a été refait un peu je crois le motif. Ah voilà, regardez la petite place avec les couleurs bleues, ça j'aimais bien, je trouvais ça super joli. Et je crois même que mon frère, il avait regardé, c'était une des premières vidéos qu'il avait vues de moi, il savait, je crois qu'il l'avait jamais regardé avant. Et il m'avait dit j'aime bien la petite déco que tu avais faite ici et tout. Ok, ça c'est toujours le petit coin genre mall, centre commercial avec tous les petits endroits où tu peux manger. Il n'y a rien de changé ici, hein. Le robot il est toujours là. Oh oui, j'ai fait un petit coin ici, nouveauté, donc un petit coin où tu pouvais chill, donc tu as un coin où tu peux boire le thé ou le café, et là tu peux jouer aux échecs avec ton meilleur pote, et j'étais trop contente parce que c'était un petit coin ici où je mettais les fleurs là qu'on a que quand on a le muguet, quand on a les 5 étoiles, et j'étais trop fière, j'étais grave trop fière, et je pêchais très souvent dans ce petit lac qui était plus trop carré. Maintenant vous avez vu, il est ovale, il y a une évolution incroyable. La plage de devant là, il me semble qu'il n'y allait pas décorer, j'avais certainement dû poser que des cocotiers, et là ouais, évolution quand même sur la déco, et j'aimais énormément, je kiffais de ouf. C'est vraiment un des premiers endroits où je m'étais grave appliquée à décorer, c'est un restaurant, et franchement je le trouve encore à aujourd'hui plutôt réussi. Il est pas mal. Bon, il est très... C'est hyper... comment dire, rectiligne. Voilà, tout était vraiment posé, genre un peu pas au millimètre, mais voilà quoi. Il fallait que ce soit pas symétrique, mais qu'il fallait que ce soit quand même bien posé et tout. Il n'y avait rien de trop freestyle, quoi. J'avais vraiment réfléchi et pensé. J'avais fait un côté japonais et un côté chinois. Donc, côté restaurant, c'était chinois. Et le côté thé, japonais, pardon, c'était thé. Oh là là, je me mélange les pinceaux. Et en vrai, franchement, vous savez quoi? Mais je le trouve encore très joli. Hein. Je le trouve encore très joli. Ok, le restaurant asiatique. Ensuite, on a les sœurs doigts de fée. Juste ici, on a un petit peu plus de stands avec des chapeaux, des chaussures et je sais pas quoi sur les stands. Ouais, voilà, on a des petites chaussures. On a peut-être des bandeaux, enfin des casques. Casque et lunettes, ah bah oui évidemment, et il manque juste des petits mannequins, et là on a toutes les catégories de vêtements qu'il y a sur, dans les Miss Doigts de Fée. Bref, on arrive, ah là là, j'ai agrandi et j'ai mis ensemble Laura et Didi, cette décoration, ah là 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 là, très lunaire, très féerique. En vrai vous savez quoi, j'aimais bien et j'aime encore, hein. J'aime encore. J'aime encore pas trop de critiques. Je trouve quand même que j'avais fait des efforts sur la décoration. J'étais vraiment nulle. Hein. J'étais vraiment nulle. Et on arrive chez Nefertiti. Oh, oh là là, je crois que c'est... En fait, chez Nefertiti, c'est éclaté. C'est éclaté. Aujourd'hui, j'aime pas du tout. Hein. C'était... Ouais... Je voulais faire l'Égypte, quoi. Je voulais faire l'Égypte. C'était beaucoup trop bling bling. C'était pas du tout, ouais, bon, voilà, c'est... Bon, je voulais un truc... Oh là là, la Didi, elle est en train de réfléchir, et à mon avis, je vais pas parler, parce que j'attendais certainement une bulle de quelqu'un d'autre, certainement de Savannah, parce qu'à l'époque-là, je voulais vraiment me débarrasser de Savannah. Ah oui, j'avais commencé la déco de chez Marvin, et j'attendais de virer Savannah pour récupérer Octave, et j'avais déjà fait toute la déco pour chez eux. C'était un thème rose et un peu marron. Oh, oh là là. Ouais, c'était quand même cool. C'était mignon. Ouais, c'était mignon. Franchement, puis il y avait vraiment une évolution sur ma façon de décorer. J'essayais vraiment de faire mieux, quoi. Parce que c'était vraiment pas ouf, hein, ce que je faisais au début. Le petit coin plage, ok, ici.
Et on va passer derrière. On a chez Monica, ça n'avait pas changé en fait. J'ai rajouté juste, je crois, non. Ah, j'ai peut-être rajouté les petites cloisons derrière. Mais c'est tout en vrai. Ça n'avait pas changé hein, chez Monica. Je pensais que j'avais fait évoluer, mais en fait pas du tout. Ok, on va passer à côté. C'est chez qui? Ah là là. Oh, et ouais, il y a du changement parce que là, on a chez Raymond et chez Matteo. Chez Raymond et chez Matteo avec le robot blanc, cette fois-ci entre les deux. Ok, bon. Ouais, c'était pas trop mal. C'était pas trop mal. C'était pas oufissime, hein, mais bon, c'était pas trop mal. Tu peux te poser ici. Chill, et eux, ils sont haut. Ils sont top. Hein. Franchement, ils sont au top. Il vaut mieux être pote avec eux. Comme ça, au moins, tu peux venir. Bah voilà, chill. Regardez-moi ça, ce canapé d'angle géant. Et puis, t'as même un jacuzzi d'extérieur. Mais regardez-moi ça. Tu peux même te faire dorer la pilule et prendre un bain dans le jacuzzi extérieur. Franchement, ils étaient grave bien. Hein. Ils étaient grave bien. Et il y a Nadine sur l'île, donc j'avais dû faire une décoration. À mon avis, couplée avec les deux Nadine et... Ah là là! Oh! J'avais fait ce coin exprès, j'avais mis les tables et puis j'ouvrais ma boîte aux lettres juste ici et genre j'ouvrais tous les cadeaux des abonnés en live et je faisais le défilé de mode ici de tout ce qu'on m'offrait. C'est drôle avec les spots et tout. Et je pense qu'après, ce coin c'était vraiment devenu n'importe quoi et j'arrivais plus du tout à ranger, c'était trop compliqué, il n'y avait pas de d'inventaire qu'on pouvait déplacer, c'était n'importe quoi. On arrive chez Christine juste ici, ouais c'était choubidou quand même hein. Ouais, et on arrive de l'autre côté évidemment, du côté Nadine bleu, ouais c'était Mimi hein. C'était rigolo, ça rappelle en tout cas de super bons souvenirs hein. Petite nostalgie là, hein. Petite nostalgie de ces... Ouais, c'était Wiki qui vient de se connecter. Aïe, aïe, aïe. Ah là là. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre à visiter là? Le camping? Ah, le camping! Le camping a évolué. Ok, il y a une petite balancelle juste ici. D'accord. Ah, j'ai fait un coin plage beaucoup plus grand avec un bar au milieu pour séparer le coin plage et le coin piscine. Et j'avais fait une piscine à débordement. Mais oui, je me souviens, ça y est. Voilà, tu peux venir te boire un petit cocktail ici. Ouais, bon, toujours très carré, hein. Toujours très, très, très carré. Je suis trop contente. Là, je vais récupérer le muguet pour aller le replanter en bas de l'île, au niveau d'où tu peux jouer aux échecs et tout ça et tout ça. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah bah voilà, regardez, hein, qu'est-ce que j'avais dit? Je suis venue faire ma petite collection ici, évidemment, et ben, ma petite collection de muguet. Et ensuite, ah, il y a le musée qu'on n'avait pas encore visité, je pense que ça a dû évoluer. Ok, toutes mes fleurs hybrides ici, waouh, superbe. Bon, on peut quand même, je le redis, remarquer une petite évolution. Ah oui, je me souviens, ça y est, je vois. Le musée, j'avais mis évidemment des fleurs dorées tout autour. Voilà, magnifique. On va passer un petit peu plus vite ici. Ok, je suis trop contente de vous montrer les fleurs dorées. Waouh. Et donc, on va arriver devant le musée. Qu'est-ce que j'avais mis? Ah non, j'ai zappé. Attendez, reviens en arrière. J'étais trop vite. Qu'est-ce que j'ai mis devant le musée? Ah voilà, j'avais mis des petits fossiles, des spots et tout. Ok, le musée a enfin été décoré et je crois que c'est tout, j'avais pas fait le dessus. Et on arrive évidemment à la fin de cette visite d'île. Ah là là! Oh ah là là, ce petit look, il était mimi mon petit look en vrai. Hein. Je crois que c'est un motif le petit haut. Bref, bon, comme je vous l'avais dit et comme je vous avais promis qu'on revisiterait cette île, on a pu trouver 3 versions de cette île. En vrai, c'est grave cool. Et après, il me semble qu'après ça, j'avais dû encore modifier, j'avais fait des coins. Ah, vous savez quoi? J'avais fait un coin après, devant ici. C'était un coin quoi? C'était un coin Halloween. Et après, il y a Kikibishi qui a débarqué sur... Il y a Kikibishi qui a débarqué sur l'île et c'est juste après que j'ai reset cette île-là. Bref, bon, je suis trop contente parce qu'en vrai, c'est vraiment trop cool de revoir ces anciennes îles. Et ça, ce qui est génial, et ben,
L'avantage d'avoir une chaîne YouTube, c'est que tout est mémorisé sur la chaîne. La garde en mémoire, vu qu'à l'époque, il n'y avait pas de code onérique. Ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo. J'espère que vous aussi et que ça vous a remémoré de super bons souvenirs. C'était une période quand même hyper sympa pour ceux qui ne connaissaient pas et qui n'avaient pas vu ces vidéos-là de mes premières îles. Et ben voilà, comme ça vous avez pu voir mon ancien logo, mon ancien style sur Animal Crossing. Mes débuts sur YouTube aussi, hein, mes débuts sur YouTube. Bref, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Je vous fais des énormes bisous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, évidemment, si ce n'est pas déjà fait. Et de mettre un petit like. Et moi, je vous refais encore une fois des énormes bisous. Je vous dis à très vite. Des bisous.